Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Summer in Myra Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! J'ai retrouvé tes lunettes de soleil. Qu'y a-t-il? Je suis maléfique. J'ai aidé un pirate à mentir et à mettre en place un sub. Eh bien, c'est de ce que font les pirates. J'espère sincèrement que ces lunettes de soleil te vont bien. Merci beaucoup, quoi. Ne t'en fais pas pour ce pirate. Il se joue toujours mutuellement des tours. Non, comme ça, mais toi, tu es différent. Tiens, j'ai trouvé ce coquillage le matin. Quoi? Qu'y a-t-il? C'est horrible, maman s'est arrêtée, c'est terrible, vraiment terrible. Calme-toi, je suis vraiment contrarié, respire un bon coup. On va trouver une solution. Je ne sais pas quoi faire, rien, je vais t'apporter à Kaji. Oh, la réparatrice dit lui de faire extrêmement attention. Kaji, est-ce que vous avez des matériaux dont j'en ai besoin? Est-ce certain que les pirates ne se serviront pas de ce canon pour des femmes avéantes? Oui. Et tu as l'air d'être un très bon pirate, c'est vrai. Ça y est, c'est prêt. Ils sont comme neufs. C'est la meilleure. Kaji, j'ai une montre en panne. Pourquoi tu l'as réparée? Voyons ça. Il faut des piles. Des piles?
Des petites bâtonnets qui font de l'énergie, c'est quelque chose de très ancien. Et très dangereux. Comment ça? Si les piles tombent dans l'océan, elles polluent. Ah, ok. On dirait la technologie élite, remplaçant les piles par une pile d'énergie propre. Comme ça, la durée de la vie sera plus longue. Il nous faut du métal peu commun, irradié aux couleurs de verre. Je connais une île au sud et on peut en trouver. Voilà, le plan pour sauver les piles. D'accord, croisant et relançant la mangue. Bon, on sait où ils vendent des piles. C'est peut-être au marché. À moins qu'il fallait l'acheter en bas, peut-être c'était une pile différente, je sais pas. D'accord, un instant. Si tout passe bien, le contact devrait être établi. On place celle-là, le contact est établi. C'est fini. Ah, ça marche bien, j'espère que ça fera l'affaire. C'est merveilleuse. Comment ça se passe, cette tâche? Quelle tâche? Oh quoi, quelle heure est-il? Je vais réparer ta montre. Oh, le paisible mouvement des aiguilles, j'en ai besoin. Merci beaucoup. Regarde ici, il crie que c'est passé la dernière fois. Et la montre s'est arrêtée. Eh bien, la dernière fois, elle s'est arrêtée pour un de mes ancêtres. Il n'est pas mort, mais il a gribouillé sur toute la page. Il a un peu perdu les pédales. Nous autres, les chamans, nous avons peur du temps. Il glisse entre nos griffes. Nous griffe de plus en plus vite. Mais la montre m'apaise, je la fixe, le temps s'écoule plus lentement. On dirait que tout est bien terminé et que mon ancêtre a retrouvé ses esprits. Comme moi, évidemment, les choses se terminent toujours bien. Voilà une attitude digne d'une aventurière. Il n'y a pas de temps à perdre. Prêt. Le résultat final est superbe, ils sont beaux, mais dis-moi, pourquoi allons-nous les utiliser? Tu as remarqué les grandes stations qui ont paru dans Mara et qui ont 6 pieds? Nous devons les détruire. Oh là, j'arrête tout de suite.
comme n'importe quel pirate, j'aime le chaos, mais je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Les élites sont maléfiques. Ils empoisonnent Mara. Ah, ça, c'est un bon argument. Je dois en parer avec les autres avant. Nous organisons bientôt une course de bateau. Il faut que tu y participes. J'en profiterai pour convaincre les autres toi-même. Compris, d'accord, mais en échange, tu dois aller à Qualis. Qualis, non, je peux pas retourner là-bas. T'en prie, Akagi a besoin de ton aide. Eh bien, on verra. Commence pas à me retrouver à la fleur d'Internet de pirates. En fait, tu devrais venir avec des pastèques. On pourra te mettre des capitaines pirates dans la poche comme ça. Et voilà. Les cochons sont fatigués, ils dorment. C'était le meilleur endroit dans tout Mara. On peut lire Wink sur la statue. Je pense que c'est un hommage à un cochon perdu. Halt! Où est-ce que capitaine? Où est le capitaine de ce navire? C'est moi, Koa. Enchanté, Koa. Je m'appelle Riga. T'as bien peur de devoir te confisquer tes pastèques. Pourquoi? C'est le pillage maritime. Depuis combien de temps navigues-tu sur ces eaux? Eh bien, ça commence à faire un certain temps. Voilà. Et tu n'as jamais payé les péages? Non. Tu as de sacrées dettes alors. Non, ces pastèques m'appartiennent. Eh, mais j'en ai besoin pour que les autres pirates m'aiment bien. Quitte à raconter cette histoire. Je t'aiderai à les convaincre de faire ce dont tu as besoin. Je les connais très bien. Et d'ici se trouve une grotte sous-marine. Si tu m'aides à récupérer la longue vue qui a coulé là-bas, je te donnerai mon honneur et ma parole. Père, à quoi ressemble la longue vue? Tu verras, elle brille dans la profondeur. Ne t'en fais pas. Tu as juste à me la rapporter.
Salut Félix. Ben c'est qui? C'est Elite ou Fé c'est Félix? Vu que je débloque ton GT, laisse-moi savoir. Écris-moi là puis je pourrais te débloquer. J'enlève, je débloque ton username sur Twitch. On est même pas là. Écris-moi là dont j'ai ton username, bon, je sais pas par cœur. Comment ça va? Faut que tu viennes me dire. Déjà les meilleurs matériaux venus du monde entier. Très beau, mais il te faut tout un endroit. Est-ce que ça te dérange? Mais je vais en trouver. Si ça ne te dérange pas, pourquoi ne pas l'avoir fait vous-même avant? Chaque chose en son temps. C'est bon, pour le moment, nous n'avons plus qu'à atteindre le tissu en noir et nous avons terminé. Qu'avez-vous fait? J'ai partagé avec toi ma sagesse infinie, d'accord? Hey. Comment va le cochon que je t'ai donné? Cassio, il va très bien. Tu vas nous entendre. La récompense de cette course va être spéciale, quoi.
Fait que c'est pas un cochon, là, non. Un panier de truffes. Nous autres, les pirates, sommes dingues des truffes. Si je te propose un truffe en récompense, personne ne refuserait de participer. Quel produit génial. Viens m'apporter quelques-unes, je te paierai, d'accord. Ça y est, les truffes, Yann, c'est délicieux. Ne ferai aucun doute que le prix sera fantastique. Capitaine, si tu as besoin de quelque chose... Tu as découvert tous les lieux de Mara. Bon, il vous tord que jamais. Je pense que ce temple sera mon préféré. Thank you.
Ouais, mais tu m'as pas donné ton GT, comme si je le connais, moi, je t'ai dit. Décris-moi-le. Oh là! Ouais, c'est quoi ça? Et merci beaucoup, c'est vraiment très beau, je suis sérieuse. Pirate là, je vais aller voir c'est qui. Le capitaine, j'ai besoin de quelque chose. Si j'ai besoin de quelque chose.
C'est bien que tu me rendes service, n'hésitez. N'étiez-vous pas censé vous reposer? Si, si, mais. Akaji m'a demandé des chocolats Hanks et on dirait qu'elle est pressée. Akaji vous a demandé des chocolats, tiens, porte-le-lui. Je pense qu'elle est fermée. Bon, c'est vu que j'ai. Je vais me coucher si elle court. On va parler à Napapo, en attendant. Yo, c'est qu'il fait chaud. Ouais, une glace serait bienvenue. Est-ce que tu veux qu'on t'en prépare? D'accord. Tu dois m'aider, d'accord? Comme t'es fainéante.
puisqu'ils en vendent. Il y a une machine distributrice qui en vend, je pense que c'est une, là, pas loin. C'est toi, est-ce que vous allez manger tous les chocolats tout seul? Non, tant mieux, il y en a beaucoup, c'est vrai. Alors profitez-en. Bon, je suis un peu gêné de te demander ça, mais il me faut du papier. Je sais comment faire du papier, je vous en apporte tout de suite. Tu ne me fais pas me demander pourquoi il en faut. La curiosité est un vilain défaut, mais tu meurs d'envie de savoir, n'est-ce pas? Oui, je savais, je vais aussi avoir besoin d'une bouteille, s'il te plaît, j'apporte tout ça. T'es déjà tout donné. Bon, je vais te confier une mission. Attends un peu. Là, j'ai fini ma lettre. Il existe une île très particulière sur laquelle je trouve une énorme grotte. Apporte-y les messages et accroche-la avec les autres bouteilles. Pourquoi est-il spécial? D'après les légendes, un pirate Quido et une navigatrice se sont rencontrés dans cette grotte. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Puis ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas être ensemble à cause de leur amitié. Ils ont donc décidé de se laisser des messages dans la grotte. Bon, plutôt classique, mais c'est beau d'y croire, ne trouve pas? Qu'est-ce qu'il est arrivé au bout de camp? Ils ont fui ensemble, personne ne les a plus jamais revus. Cette histoire me plaît, je m'en charge. Merci. Est-ce que la glace t'a plu? Oui, c'était très bon. Tu peux m'en demander quand tu veux. J'ai conclu. L'instant, tu es tranquille. Alors, voyez Erwan. Erwan, comment allez-vous? Je vais bien, je suis très occupé, je n'ai pas beaucoup de temps. Mayo et moi, on voulait vous parler de ça justement. Mayo et toi, patron, vous devez vous détendre un peu, mais pour de vrai cette fois, trop cuisiner vous fait du mal, n'importe quoi. Je suis un cuisinier né, mais vous n'arrêtez pas de tomber malade. Ce n'est rien de grave. Bon, vous allez devenir amis avec Taka et vous allez travailler ensemble. Comme ça, vous mettrez fin à cette dispute et vous pouvez reposer, ça jamais. Vous n'avez pas le choix, je vais dans la cuisine. Qu'il veut pas entendre raison. Tiens, apporte ce plat à Taka, on verra ce que ça donne. D'accord. Il sera de la volonté de Mara. Taka, j'ai quelque chose pour vous. C'est un plat du restaurant d'Awan. Ça ne m'intéresse pas. Awan dit que vous êtes un grand chef. Il veut ton avis sur la salade d'Ankora. Et aussi que vous avez été une source d'inspiration lors de la préparation. Ah bon? Voyons. Alors, certaines saveurs rappellent en effet mon style de cuisine. C'est bon plat. Et peut-être que vous pourriez travailler ensemble tous les deux. Je te l'ai déjà dit, cette idée est complètement folle.
Ah! Bah, comment tu es là? Nous pourrions cuisiner ensemble, d'accord. Oh. Salut, partenaire. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai goûté votre fajitas et j'ai goûté vos palourdes marinières. Comment? Vous me les avez volées? Non, quoi, m'en emporter. Avouez qu'elles vous ont plu, Erwan. Ben oui, elles n'étaient pas mal. Et si vous travaillez ensemble, vous pourriez vous entraider, partager vos recettes et vous soutenir plutôt que vous disputer. Je ne sais pas, les Quidos sont assez étranges, pas plus que les Hanks. Hey, et si vous répariez un plat ensemble, préparez un plat, faites-le goûter aux autres. Quel genre de plat? À base de saumon? Saumon, ça me paraît bien, oui. Au four? Un sushi, ça serait préférable. Je vais vous attraper du saumon sur les champs. Comment est l'île de fer? Bon. Ne reviens pas ici. Oh, hayo. Je vois que tu es une grande voyageuse, c'est vraiment l'époque. Je parlerai sur l'île la plupart du temps. J'aurais laissé un message à Napo, mais je ne sais pas si elle sait lire. Thank you.
Il se manque pas ici, tu vois. Il y avait un bug. Oh, pêcher. Ah là. Bon, c'est là. Je pense qu'il est fermé, on va se coucher, ben on revient. On est rendu sur l'autre, ça va se... Ah, la fois que je me plais, mais jamais. J'aurais aimé mais jamais ça lui autant.
vous le dites, en le coupant comme ça, ça serait sec et on a du citron. Mais c'est le meilleur type de découpe. Regarde, c'est seulement en très frais. Le rancœur moine ne le gâchera pas. Et du calme, faites confiance. Passez-moi le moule de riz. Terminé, presque. Pour le citron, ajoute une saveur agréable. Tiens, porte-la si tu veux. Riz à Awan, aux habitants de Covalis. Bon. Poisson, j'adore ça. Ça part d'un plat de l'Arwan, c'est très bon. Je félicite en personne la prochaine fois. Encore de nourriture, c'est bon. Tu veux encore de nourriture gratuite? C'est délicieux, c'est vraiment bien cuisiné, ça fait penser à un saumon gigantesque que j'ai mangé un jour. Heureuse de te voir, quoi. Je vais t'apporter un plat très spécial. J'adore ces patates, elles sont parfaites. C'est pleinement bête. Tu joues aujourd'hui, toi, Apex? T'as joué moins toi puis Watson. Peut-être les deux autres personnes du village ou non, je sais plus à qui. Non, je vais te voir tout le monde. Hein. T'as eu un succès fou, parfait, c'est grâce à mes boules de riz. Ou à mon citron. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Ben, j'aimerais te remercier pour ton aide. Prends ce totem, archangage de ma gratitude. Il est très beau, il ira très bien sous ma cour. Je vais retourner à mon établissement. Et vous, Awan, je crois que je vais faire la sieste. C'est la meilleure des idées. Bien dit, Mayo. Donc c'était tout pour le live sur le jeu. Summer in Mara. Live
sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!